Julie Gayet, elle va faire la une du Parisien Magazine ce week-end, en prenant la parole, et de match demain, en prenant la parole. Pardonnez-moi, elle est là à quel titre ? Comme actrice, comme productrice ou comme première dame présumée ? Est-ce qu'elle fait de la politique, là, quand elle soutient une campagne qui est du gouvernement ? Mais d'un certain point de vue, votre question, elle entre totalement dans la campagne que je conduis. C'est-à-dire, vous dites que ma question est sexiste ? Je dis que votre question nous ramène toujours à qui est une femme ? Est-ce qu'elle est ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est ce qu'elle réalise ? Ou est-ce qu'elle est qui elle fréquente. En ce qui concerne, quand on est la compagne d'un président de la République, peut-être les trois. Je ne sais pas, on est toute la compagne de quelqu'un et c'est pas forcément ce qui nous définit. Julie Gayet, elle est actrice, elle est réalisatrice, elle est productrice, elle est productrice d'un film qui sort dans quelques jours, elle est actrice d'un téléfilm bouleversant qui sort dans quelques jours. Manon. Donc elle ne fait pas de la politique quand elle fait la une de ces journaux. Moi j'ai connu Julie. De ces journaux-là, à 8 mois de la présidentielle. J'ai connu Julie Gayet comme marraine d'une association Stop Endométriose, faisant connaître une maladie des femmes dont personne ne parle. Je n'ai jamais connu Julie Gayet autrement que comme porte-parole d'une cause que moi aussi je défends. Pour le reste, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas plus que pour aucune autre des marraines et aucun autre des parrains qui sera avec nous pendant cette campagne.